journal. Ah, pour obtenir votre récompense, tiens. Peut-être pu commencer par ça. Alors, où est-ce que je dois aller? Loin. Bon, on va prendre le TP. J'ai pas de TP à côté. Tourelle de sécurité, ah oui d'accord. Sors les mains en l'air. Je t'ai jamais vu dans cette zone du coup. Insolent personnage. Insolent personnage. Oh. D'accord. Ah, j'ai gagné de l'expérience ici. On peut se les pirater, hein. Tiens, tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je parie que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mais Marie connaissait Westbrook, c'est vrai. Ils étaient tous haut placés chez les Tiger Claws. Ils régnaient sur Japantown. Ils faisaient quoi? Ce qui rapporte le plus d'édits et de pouvoir, il vendait du sexe et de la tech au marché noir. Désolé, mais c'est plus fort que moi. T'as eu combien de maris au juste? 5, tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi? Je peux pas me permettre de mourir, des fils, j'en ai 9. On a encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Claws. Ok. Oula, 1,8 km. Où le TP le plus proche. Pas grand chose à pirater ici.
Allez, encore 300 mètres à faire à pied. Ça me dit trop rien ici. Récupérez votre récompense gratuite dans l'inventaire de la clinique du Shark Doc Cassius Ryder. Ok. Avis à tous les sous-traitants du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Shipyard Way. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. Considérez les suspects comme armés et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralisera la menace. D'accord. Alors, y a quoi de beau? Je te laisse choisir. Je comprends pas. Comment je suis censé récupérer quelque chose de gratuit? Comment vont les affaires, Cassius? J'ai pas à me plaindre. La Maxtac a rasé une clinique clandestine il y a pas longtemps. Les clients se rabattent sur moi et je peux faire monter les prix. Coïncidence? À toi de voir. L'inventaire de la clinique. L'inventaire de la clinique. Alors là. Ah. Il y aurait un objet à zéro. Ah, il y a un objet à zéro. Condition non remplie. 10 d'intelligence. C'est-à-dire qu'il serait trop tôt. Augmente maximum mémoire vive, cyberconsole. C'est pour ça qu'il veut pas me le donner, parce que j'ai pas assez d'intelligence. Faut 10 en constitution. Ou leur prix vaut 0 quand je peux pas les prendre. Les prix vaut 0 quand je peux pas les prendre. Ah, ça par contre je peux le prendre. À posséder, je suis con, j'ai mal compris. Je les ai sur moi et lui il m'aide à les placer en fait. Ok. Ok, je viens de comprendre. Donc évidemment, je vais pas acheter des objets que je possède déjà sur moi. Bon, il pourrait me faire payer l'installation peut-être, mais... En tout cas, c'est pas le cas. Ok. Ok, je commence à comprendre. Donc du coup, là, je me suis installé et ralentit le temps de 30% pendant 2 secondes lorsque vos ennemis vous détectent. Models.
Ok. Augmente l'endurance de 20. Ok. Il faut 20 réputations, c'est que ok. Ça sert à quoi tout ça? Les bras. Un plus de dégâts, ok. Et jambes, il faut plus de thunes. Ok. Je pense que c'était les tatouages du coup. Ce qui monte à 9000, ce qui est très loin de ce que j'ai besoin pour. La mission. Bah ça faut que j'évite de les faire parce que ça dépense. Bah je vais me lancer sur notre quête principale en espérant que j'ai pas besoin de dépenser aussi. Je vais pas faire un kilomètre à pied par contre. Oh merde! C'est vrai que pour bouger la carte à chaque fois je clique. Et. Je me suis TP je ne sais où à droite de la carte, je pense. C'est vrai que les chargements sont pas trop longs normalement. Oui! Regarde le ciel. Tac. Bienvenue au Clouds, où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal? Je vous laisse vous connecter. Est-ce que j'ai develop? Impossible pour l'instant, genre. Le jeu refuse que je regarde mes stats. Attends. Oh dommage, j'ai pas level up, je vois. Rebonjour.
Comment vous pourriez bien savoir ce que je recherche? Le Cloud le sait toujours. Votre désir le plus secret, nous le trouvons. Nous satisferons vos besoins. Et peut-être plus encore. Le mot « moins » ne fait pas partie de notre vocabulaire. Comment ça marche, tout ça? Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupée. Il exploite les données de votre profil pour créer des expériences en temps réel. Les absorbeurs mémoriels sur la puce comportementale de la poupée l'empêchent de se souvenir de la séance. Alors il restera aucune trace de la rencontre? Eh bien, je pourrais vous dire que oui, mais il n'y aurait plus ni mystère, ni suspense, non? Une fois à l'intérieur, c'est vous qui fixerez les règles. Donc, c'est pas dangereux, mais il y a une part de risque. On peut le formuler ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtient jamais ce à quoi on s'attend. Vous piquez ma curiosité. Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec... des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel, selon vos souhaits. Je veux juste lui parler, c'est tout. Voyons, ne vous en faites pas. Votre poupée vous parlera de tout ce que vous voudrez. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile? Non. On s'en fout du menu. Envoie chez cette serveuse. On apporte notre commande directe au chef. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leurs cartes? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Angel me plaît bien. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Je retrouve, j'aurai pas la thune. Oh, ça va. Et voilà. Et... le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Angel vous attend dans la cabine 6. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout? Toutes les armes sont strictement interdites au Cloud. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Va te faire mettre. Les armes ne serviront à rien à l'intérieur. Merci. Nous vous souhaitons un agréable moment. Je vois les gens à travers. Ok. Oh, ils ont tous des trucs à fouiller quand même. Tout est désactivé pour éviter que je fasse Jojo. Okay.
Ah bah voilà. Un point d'avantage, mais bon, j'aurais pas besoin pour l'instant. Mince, pourquoi j'ai fait ça? Assez, assez. Je veux savoir si je gagne encore de l'expérience. Visiblement non, tu arrives au niveau maximum. Pas mal, mais elle serait bien mieux en vrai. Je pourrais croquer ses cuisses. D'accord. Comment ça? Je viens ici toutes les semaines, putain! Vous n'avez pas le droit d'accéder à son vieux. Et comment que j'ai le droit? Pas la peine. Non, mec, je vais régler ça maintenant avec toi. Est-ce que tu sais qui je suis? Il y a un problème. Ce pommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer. D'après ce que je vois, votre abonnement VIP est plus valide. Hein? T'as dit quoi là? Calmez-vous, ça monsieur. L'air. On devra vous escorter dehors. Sont sortis. Tu remontes? Dans une minute. Je vais pisser d'abord. Oh putain. Heureusement que j'écoute le... E55 BD. Un C, merde. E9. Ok. Tu peux faire quoi tout ça? Je suis toujours en train de pisser. Je peux pas refermer la porte vu comment je l'ai ouverte. Voilà. BD, BD, 1C. Ah non. Ok, 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 ok. Ah bah à ce rythme là je vais monter au 15 000. On est en train de pisser derrière mais y'a pas de... C'est vrai que je pourrais tranquillement faire disparaître R, prendre corps et jeter. Voilà. Oh, mais ouvrir sans savoir ce qu'il y a derrière. Ok.
ça me donnait la position de tous les mecs, mais... Je peux monter? Ou je peux descendre plutôt? Un C, BD, 5 C. Oh là là. 55. Un C. Non, j'ai raté. Un C. 55. Oh là là. Un C. J'ai pas eu le meilleur. Qu'est-ce que je vous sers? Oui. Une journée? Tu crois vraiment qu'ils se souviennent de rien? Je vois. Évidemment que je marche. Quelle puissance. Ouais, j'ai cette moto. Je sais où elle est. Je peux pas aller ici. Vert intelligent. Ça, non? Parce que c'est sauvegardé sur les puces de poupées où il y a leurs personnages. Attends, t'as dit quoi là? T'as une vraie conversation avec elle? Ah, ok. Attends, t'as dit quoi là? Tu leur parles? No, t'as une vraie conversation avec elle? Pourquoi je n'aurais pas droit d'accès ici? Attends, t'as dit quoi là? Tu leur parles? Genre t'as une vraie conversation avec elle? Je crois... Attends, t'as dit quoi là? Tu leur je crois qu'il est en train de boucler. T'as une vraie conversation avec elle? Il faudrait vraiment que j'aie la position de tout le monde. Ouais, ça va. Merci. Genre un ping. Une moto, pas un bateau! J'ai une gueule à faire de la voile! Bon, on peut... Ah oui, je pouvais aussi passer par là. Je veux savoir pourquoi... Il est où? Il est en dessous de moi?
tout seul, parfait. Bon, la carte VIP, je crois que c'est bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Les Tiger Claws aiment jouer les pervers. Ils gardent toujours un œil sur leurs poupées et ce qui se passe dans ces cabines. Puis ils récupèrent les données sur les puces de comportement. Je l'avais vu venir, gros comme une maison. Je m'en doutais aussi. Mais je me demande s'ils les gardent pour eux ou s'ils les revendent. Et si oui, à qui ? Ok, j'ai déverrouillé les portes. Ah. Ça donne quoi ? Un couteau. Bon, on va continuer la fouille. Top discrétion. Ah, je vois que l'autre déconne. Streamlabs, mais visiblement, bon, ça fait pas tout déconner. Ah, elle doit être là. Ce qui veut dire que aller dans la cabine d'Evelyn facultatif. Sauf qu'elle m'en garde de face, elle. Peut-être accès à la caméra, ouais. Ce serait vraiment un timing. Réseau local, caméra, prise de contrôle. Non. Non. Celle qui est dans un bureau. Bizarre. Pourquoi il regarde toujours le ciel? À moins que la caméra que je vois, c'est celle d'en dessous. Ça doit être ça. Il y a quand même un petit problème d'étage. Ok. Ok, bah je ramasse même pas ce qu'il y a. En même temps, j'ai un petit coup de stress parce que l'autre est arrivé derrière moi. Alors ça, c'était la boulette. 13h37. Oh, 3 minutes de perdu. Ok. Ok. Je ne pensais pas que... Je pensais que c'était un piratage, mais... Bon, du coup, je dirais 3 minutes à refaire. Ah, l'autre est toujours en train de boucler malgré le... Donc j'étais rentré ici, l'autre je pouvais pas le voir. Je me suis occupé de lui? Non, pas encore.
Les Tiger Claws aiment jouer les pervers. Ils gardent toujours un œil sur leurs poupées et ce qui se passe dans ces cabines. Puis ils récupèrent les données sur les puces de comportement. Je l'avais vu venir, gros comme une maison. Je m'en doutais aussi. Mais je me demande s'ils les gardent pour eux ou s'ils les revendent. Et si oui, à qui ? J'ai cru entendre. Ah bon, j'ai tout. Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Ok, bah j'avais mal fouillé la première fois visiblement. J'ai bien fait de faire une connerie. Sauvegarder. C'était quoi? C'était R pour le discret. Oh. Je peux pas rentrer par derrière. Bon. Pourquoi ça m'avait scanné bizarrement tout à l'heure quand je suis sorti? Par contre, j'aimerais bien que tu me donnes la facultative à ce côté. On devrait y jeter un œil. Du sang frais ou ça? Du sang frais en petite quantité. Plutôt une blessure qu'un meurtre. Je le vois pas, mais bon, je suppose que oui. Pied dans la gueule. Ah non, elle a eu... C'est pas le client qui a pété les plombs, finalement. Elle a été surprise par quelque chose. C'est bien son sang, finalement. T'en penses quoi? Cyberpsychose? Ça va te paraître dingue, mais... c'est peut-être fait pirater à distance. Par un être honneur. C'est marrant. Bon, finalement, au final, je vais faire ce qu'ils veulent que je fasse. Ça doit vouloir dire que t'es vraiment anormal. Vincent, c'est ça? Je suis Angel. Ton ange. Ok, vas-y, je t'en prie. Épate-moi. Est-ce que cette scène sera coupée au montage? Je sais que t'es en train de mourir. Comment tu sais que je suis mourant? Au fond de toi, cette peur, c'est ce que tu crains le plus. Et après? Qu'est-ce que ça peut te faire? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. C'est pour ça que tu es là. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois.
Il y a quelque chose dans les miroirs. Tout au fond. C'est une projection. Ton paysage intérieur. J'avais bien besoin de ça. Une thérapie avec un prostibot. Je ne vais pas faire ton analyse. Je ne cherche pas à te tromper. Mon seul but est de satisfaire ton besoin le plus profond. Afterlife. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as interrompu la session ? J'ai fait quelque chose de mal ? Tu n'étais pas satisfait ? Un tas de trucs me trottent dans la tête dernièrement. Ça, c'était... différent. Ouais. Rafraîchissant. Oui, c'est l'expérience qu'on offre aux Clouds. Je crois que je comprends pourquoi les gens viennent ici et reviennent vous voir. Mais je suis pas venu pour ça. Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais ? Je voulais éviter de poser des questions sur Evelyn parce que tout est enregistré ici. C'est pas comme ça que ça marche. T'as pas le droit de me poser des questions, genre... sur la maison de poupée. Je pourrais avoir de gros ennuis. Va-t'en. S'il te plaît. Je dois savoir. Dis-moi ton prix. Elle est pas là. Et je la connaissais à peine. Je peux pas t'en dire plus. Je sais me montrer généreux. Fais un effort. On doit rien accepter des clients. Tout doit passer par les responsables d'équipe. Je peux pas juste... Mais personne est venu la chercher ? Il s'est rien passé d'inhabituel ? Il y a eu... un incident. J'ai vu ça tout à l'heure. Avec un client. Je suis pas au courant des détails. On pose pas ce genre de questions ici. Tom en sait peut-être plus. Evelyn et lui étaient proches. Va lui demander. Et oublie que je t'ai parlé, d'accord ? Oui. Ce Tom, c'est qui ? Un pote d'Evelyn. Ils passaient tout leur temps fourrés ensemble. Où est-ce que je peux le trouver ? Il bosse comme poupée dans la section VIP. Cabine 2. Oh, bah j'ai une carte. Ne demande plus jamais à me voir. Plus jamais. Et en fait, il y avait toute une section pour se balader. Ensuite, dans la zone VIP, mais oui, mais du coup... Il a intérêt à parler vite et bien. Deux zombies sexuels lobotomisés le même jour, c'est un peu trop, même pour moi. Ok. Bonjour. Je crois qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas trop... J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Vous êtes sûr que votre carte VIP... Relax. T'as pas besoin de mes données, ni de détails. Je suis pas un client. Je suis là pour te parler. Pas pour passer du temps avec une poupée. Tom, c'est bien ça ? Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès. Tu veux dire qu'elle est pas là ? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka... Non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. Attends. C'était Osaka ou Oslo ? Oslo. Ouais, Oslo, c'est ça. Cet accident, c'était avec un client, c'est ça ? J'ai trouvé du sang dans sa cabine. Ah... C'est le genre de choses qui arrivent ici de temps en temps. Et ça dérange personne. On nous donne de nouveaux implants, des congés maladie, et même une indemnité parfois. Maintenant que j'y pense, c'est bizarre qu'on l'ait envoyée aussi loin. C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville ? Non, elle s'est pas pointée au boulot, et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie. Où je peux le trouver, ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. J'espère que j'ai pas tué. C'est une zone complètement interdite aux clients. Ouais, t'inquiète.
Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce monsieur Forrest, c'est quoi son boulot? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Non. Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Du coup, je suis obligé d'y aller de face. C'est pour ça que je pouvais pas aller derrière pour éviter de le tuer. Ils ont prévu le coup, si quelqu'un se baladait avant. Ouais. Bonjour. Eh, les clients ont pas le droit d'entrer ici. Tu fermeras bien la porte en sortant, Tsum. D'accord. Comme tu peux le voir, je suis très occupé. Je cherche une fille, Evelyn Parker. Il n'y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Eh, hey, tu peux te taper mieux. Et c'est Roxy, tiens, à la cabine 2. Même petit cul en forme de poire, la puce comportementale fera le reste. Tu sentiras aucune différence. Tu m'as l'air raisonnable. On doit pouvoir trouver un arrangement. Mais toi, tu m'as l'air d'un taré qui s'est jamais fait larguer par son mec ou par sa nana. Mais vas-y, continue. Je t'écoute. Tu restes assis dans ce trou à rat que t'appelles ton bureau, et ça y est, tu crois que t'as réussi dans la vie. Bravo! Tu lis mieux dans les pensées que notre putain d'intelligence artificielle. Trouver un boulot pour ce gars. Tu t'es jamais demandé qui contrôle les Tiger Claws? Ceux que tu prends pour tes chefs? Les chefs des Tiger Claws ont des chefs au-dessus d'eux, tu sais. T'es juste trop insignifiant pour les voir. Parce que tu te crois plus important que moi? On va dire qu'un membre bien précis du clan Arasaka serait pas trop ravi d'apprendre qu'il est arrivé malheur à Evelyn. Et que c'est par ta faute. Bon, ok. Je vais jouer franc jeu avec toi. Et donc? La fille que tu cherches, c'est Parker. Oui. Elle est pas ici. Ouais. Ça, je le sais déjà. Je veux savoir où je peux la trouver. Tu crois savoir comment ça marche ici? Mais t'es grave à côté de la plaque. Les poupées sont pas là pour offrir du plaisir et de la satisfaction par pure bonté d'âme. Ce sont des employés. Leur boulot, c'est de générer du profit. Evelyn rapportait plus de profit? Eh non, malheureusement pour elle. J'ai vu ce qu'elle a fait aux clients. On l'avait rôlé ou quoi? Je sais pas qui lui a grillé les circuits. Mais il a infiltré notre sous-réseau de l'extérieur. Ça devait être une pointure pour faire ça. Sa puce était toute cramée. Tu peux me croire, on a tenté de la réparer. Mais ça a rien donné. C'est fréquent? Ce genre d'accident? T'as déjà vu une tech qui déconne jamais? Je crois pas, non. La puce comportementale te sépare en deux. Il y en a qui disjonctent complètement. Et quand ça arrive à quelqu'un, il y en a 10 qui attendent pour prendre sa place. Ça te dérangerait pas d'abréger? Qu'est-ce qui est arrivé à Evelyn? J'ai reçu un ordre d'en haut pour qu'elle soit recyclée. Tu l'as tuée? Non. Mais j'ai trouvé un charcutoc qui voulait bien l'examiner. Et il m'a dit qu'il trouverait une solution. Tu l'as emmené chez un charcutoc au lieu de suivre les ordres? Moi qui pensais que t'avais pas de couilles. Enfin, je dirige quand même pas un abattoir. Le recyclage,
C'est vraiment en dernier recours. Et la famille reçoit toujours un appel. Enfin, s'il y en a. Qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'il y a des gens qui ont envie de changer les couches d'une pute débile à deux doigts de la cyberpsychose? Peu probable. Et les balancer dans la rue, c'est pas non plus une solution. Ça pourrait ruiner notre réputation. Bah... tout vaut mieux qu'une balle dans la tête. Tu sais quoi? C'est ce que disent toutes les poupées. Oh, tu commences à me plaire, toi. Et Lyon, tu cherchais pas du boulot? Non. T'as investi tes propres édits pour aider la pauvre Evelyne qui rapportait plus un rond. Arrête. Touché. C'est le charcutoc qui m'a payé. Pour une poupée cassée? Les gens ont toutes sortes de perversions. Fais-moi confiance. Je suis bien placé pour le savoir. Mais Fingers, c'est un sacré spécimen. Un fétichiste de tout ce que tu peux imaginer, et plus si affinité. Il lui a sûrement trouvé une utilité. Ce charcutoc, je veux son nom et son adresse. Son nom, je le connais pas. Me prends pas pour un con. Bah, si je te le dis, on le surnomme Fingers. Sa clinique est dans une ruelle pourrie de Jake Jake Street. Si tu veux trouver Evelyne, c'est là qu'il faut aller. Et tu remets jamais les pieds ici. Jamais. Prends l'ascenseur pour sortir. Comme ça, tu foutras le camp encore plus vite. Le docteur Fingers, sur Jake Jake Street. Un vrai fantasme d'étudiante. Ok. Vous pouvez reprendre vos armes. Passez une excellente journée. La prochaine fois que vous ressentez l'appel du cloud, n'attendez pas. J'imagine si tu ressors en oubliant toutes tes armes, bah ouh. Bon, ça l'armait pas tout de suite. Ensuite... Ah, c'était mon katana. C'était ce... Non, c'était lequel? C'était celui-là. Mais il y en a un meilleur. 437... 433 de DPS. J'ai pas de module à placer. On verra quand j'aurai de meilleures armes, parce que je vois pas la différence entre quand on up. Parce qu'il y a les armes d'assaut. Les armes de poing. Donc des pistolets, j'imagine, voilà. Les armes d'assaut, il y a les snipes dedans? Ah oui. Comment c'est avec un fusil ou une mitraillette? Est-ce qu'il y a les snipers dedans? Bon, je pense qu'ils pètent que là, les snipers. Comment c'est dégâts du fusil et mitraillette? Ça s'appelle comment un snipe? Fusil de précision, donc un fusil. Fusil sniper, ok. Donc ce serait dans assaut. Bah ça m'a intéressé. Niveau 7, et je suis bloqué là-dedans. Intelligence. Et je suis bientôt... Non, et je suis bloqué en... Oh là là. Ok. Il faut vraiment que je up parce que mes compétences ont arrêté de payer du coup. Tu peux ranger ton arme? Attends,
charmant. J'adore ce côté glauque et suintant. Être infidèle ? Non ! Enfin... En quoi c'est différent de se faire un cul dans une maison de poupées ? Je vois que ton opinion sur les maisons de poupées a pas changé. Oh, mais au contraire. Qu'est-ce que tu piges pour ? Avant, tu m'aurais jamais fait foutre les pieds dans ce bouge. Attends. Là, j'ai juste envie de revenir, avec de l'essence et une allumette. Ok. Tu crois qu'elle est chez Fingers ? Qu'on va la trouver là-bas. Si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un canard ambulant. J'aurais dû commencer par appeler l'ascenseur. Du coup, c'est pour ça que j'ai gagné plus d'expérience. J'arrive au maximum. De mon niveau. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après Hellman.